explosion, nichon et immigration. C'est le nouveau cocktail détonnant de Robert Rodriguez pour son tout dernier film, Machete. Soy un putado de mexicano. Machete, vous vous en souvenez, c'est ce qu'on avait pris pour une fausse bande-annonce au début du précédent film du même réalisateur, Planète Terror. Machete, truand mexicain ne jurant que par sa machette pour exécuter ses ennemis, se rend au Texas pour oublier son passé meurtrier. Seulement, son recueil sera de courte durée puisqu'il va se retrouver le coupable idéal pour un crime qu'il n'a pas commis. Oh, y'a quelqu'un? C'est vous le Chilien dont on parle à la radio? Que Chilien? Soy un putada de mexicano! Esta toca place! Esta toca place! Ma puta! Oh, soy Machete! Ok! Comprendo! C'est énorme! Machete, on te fait l'amour avec la machette. À travers un scénario aux péripéties et aux personnages très caricaturaux, le film est un pamphlet politique contre la corruption et l'hypocrisie du gouvernement américain. Les problèmes du racisme et de l'immigration sont au cœur de l'intrigue et du message du film, des thèmes qui touchent particulièrement le réalisateur. Non, Machete! Cuando la cabeza no me gusta, yo prefiero... la costar. A ti te gusta mi cabeza, mi amor de machete? No me gusta la cabeza. Machete. La plastique du long métrage ravira les adeptes du genre. À la puissance virile des hommes dressant leurs armes à feu ou leurs machettes. Les femmes arborent des corps sculpturaux. Ou surtout la petite du début, vous allez découvrir une splendeur de nudité totale. Non mais Ruru, ça va pas? Mais quoi? Mais c'est vrai, non? Et moi alors? Écoutez, vous, cher Sego, c'est pas pareil. Vous êtes d'une beauté incomparable. Cuando estaba en México. Que dices, Machete? Puta, cuando no me entiendo. ¡Ah! ¡Mi escucha, puta la Machete! Une esthétique proche de la bande dessinée qui ne fait pas l'impasse sur certaines séquences très très gore, mais toujours arrosée d'un humour bien corrosif. La scène parodiant Die Hard en remplaçant un tuyau par les tripes d'un mec est excellente, je suis fan. Don't move, Machete! No me gusta los ojos de una puta. Au programme, un casting jouissif. Les Latin Bomb Power Jessica Alba et Michelle Rodriguez. Le mafiosi superstar Steven Seagal. Et en politique arvéreux, vous aurez Robert De Niro. Sans oublier la truculente Lindsay Lohan, grimée en bonne sœur. Ce qui ajoute du piment à ce film très épicé. Un bon Rodriguez comme on les aime, dans la lignée de sa filmographie. Mira, dentro de la cabeza es excelente. Total extase. Non, mais parle des gros nichons. Mais qu'est-ce que tu me coupes? Mais on s'en fout, ça, splendeur totale, c'est nul. Je suis en pur freestyle. Dis gros nichon. Dis gros nichon. Elle avait pas forcément des gros nichons. Mais on s'en fout, dis gros nichon. Mais dis les gros nichons, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je veux, coup. Surtout la première à poil avec les nichons, là. Ah, les compliments. Rien de tel pour amadouer une petite gazelle en rut. Mais ça va pas ou quoi? Le mafiosi surému. Oh là là, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Le mafiosi Steven Seagal. Mais qu'est-ce que tu fous là? Et ensuite, Steven Seagal dans le rôle de mafiosi. Ouais.